Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia, la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Julien, ça t'évoque quoi pour toi les JMJ ? C'est surtout voir tous ces jeunes qui sont prêts à partir, loin ou pas très loin, mais là c'est quand même loin, on a beaucoup d'heures de car. Et puis c'est, je sais pas, mais c'est vraiment un signe d'espérance quoi. On voit plein de jeunes qui parfois se sentent vraiment seuls dans leur paroisse. Là on se retrouve tous, on va en voir x10 au Portugal. Et donc ce sera encore plus un signe d'espérance et on va se fortifier et je pense qu'on va être un peu plus fiers d'être chrétiens qu'avant. Pour moi c'est un énorme rassemblement pour tous les jeunes chrétiens dans le monde. C'est juste magnifique, c'est motivant, il y a le pape qui vient et je pense que c'est quelque chose à vivre en tant que jeune chrétien. Attendez, je vais me mettre dessus. Qu'est-ce que ça t'évoque pour toi les JMJ ? Pour moi, c'est avant tout faire église, être ensemble, rencontrer d'autres chrétiens, rencontrer la diversité et se réunir ensemble. Et puis pour moi aussi, c'est répondre à l'appel du pape François. Pour moi, ça me parle beaucoup aussi. Bah, peut-être que ce seront ses dernières JMJ, mais en tout cas de pouvoir être présente et pouvoir entendre son message aux jeunes. Bah, les JMJ, c'est des rencontres avec des milliers de jeunes qui viennent de partout dans le monde autour du Christ. Et ça va être la fête, les partages. Et voilà, on va vivre plein d'aventures pour le Seigneur, avec le Seigneur. Tu pars avec une route spéciale ? Avec Church for You. Ça va être incroyable. Et voilà, on est tous hyper motivés. On va chanter pour le Seigneur, ça va être incroyable. C'est quoi le programme les prochains jours ? C'est là, on roule en bus toute la journée. Donc ça va être bus. Et après on arrive à Portimao où c'est un espèce de festival organisé par le Chemin Neuf. Ouais. Et ils font plein d'activités, des chants, des concerts, etc. à la plage, donc ça va être très sympa. Du coup Anaïs, comment est-ce que tu ressens la QV 2023 pour les JMJ ? Bah comme vous voyez, il fait pas super beau, mais l'énergie est là. Franchement, les jeunes sont ultra motivés, donc le soleil est dans nos cœurs et vraiment, là c'est le top départ, donc les cœurs ils sont prêts à partir et ça va être une aventure exceptionnelle.